Vaya quitando la chica que a mí quiere la polera. Pasa la quinoa, poba cotiza, como iranga, a molili, casi molivo a su quisi, el icana, o tema, no llevo ya, si ta, no con andar, ya veo ya. Hallelujah.
Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour et pour ta fidélité. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Nous allons élever nos voix bien-aimées. Nous allons bénir le Seigneur, n'est-ce pas lui qui nous donne la vie. Nous n'aurons peur de rien parce qu'il vient de l'océan. Il nous a donné la victoire à la croix. Nous allons élever nos voix. Nous allons bénir le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Élevons nos voix. Bénissons le roi des gloires pour la croix. Bénissons le roi éternel pour la croix. Bénissons notre Seigneur de gloire pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour la croix. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est une puissance pour tous celui qui croit. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, Maître du ciel et de la terre, toi qui es assis sur le trône éternel, toi qui es assis sur le trône de gloire. Nous bénissons ton nom, nous louons ton nom, nous célébrons ton nom, nous magnifions ton nom, toi le grand roi, toi qui es assis sur le trône de gloire, toi qui es assis sur le trône éternel, nous t'exprimons toute notre reconnaissance au nom puissant de Jésus-Christ. Merci d'étendre ta main de grâce. Merci de manifester ta gloire dans nos vies et au milieu de nous. Tendre Père, merci pour ton plan merveilleux. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, le roi éternel, à toi qui es assis sur ton trône de gloire, à toi qui vis et qui règne à jamais. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous allons élever nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons demander, n'est-ce pas, que l'Esprit de Dieu vienne nous conduire encore ce soir dans cette séance de prière. Que le Saint-Esprit nous conduise, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit nous guide. Que nos prières soient véritablement, bien-aimés dans le Seigneur, sous l'influence du Saint-Esprit et remplies de feu, le feu du Saint-Esprit, pour neutraliser la puissance de l'ennemi. Alléluia. Pour percer, bien-aimés dans le Seigneur, le trône. Alléluia. Afin d'atteindre les cieux, afin d'étendre le trône de Dieu. Élevons nos voix, bien-aimés. Proclamons la victoire du Saint-Esprit, invoquons le Saint-Esprit, demandons la plénitude du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne nous éclairer encore ce soir. Élevons nos voix, prions le Saint, tendre Père, nous bénissons ton Saint, nous te rendons toute la gloire. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous, merci Saint-Esprit pour ta direction, merci Saint-Esprit pour ton amour, remplis nos cœurs de ton amour, l'esprit des grâces et des faveurs, l'esprit des louanges d'adoration, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif et faim de ta présence. Nous te célébrons, toi, l'esprit de grâce et de faveur, l'esprit de louange et d'adoration. Merci, cher Saint-Esprit. Viens inonder nos vies. Viens combler nos vies de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, cher Saint-Esprit, et nous te rendons toute la gloire. Saint-Esprit, inonde nos vies. Saint-Esprit, merci encore de combler nos vies de ta présence. Nous invoquons ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, de nous combler de ta présence. Nous avons soif et faim de toi. Nous avons soif et faim de ta présence. Au nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Merci de nous inonder de toi. Merci de nous combler de toi. Cher Saint-Esprit, nous te voulons de tout cœur. Inonde nos vies. Remplis nos vies. Comble nos vies au nom puissant de Jésus. Nous te voulons de tout cœur, cher Saint-Esprit. Merci de combler nos vies. Que ton feu, alléluia, que ton feu inonde nos prières, cher Saint-Esprit. Que ton feu inonde nos prières, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, merci Saint-Esprit pour ta présence. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur, nous, ce soir, comme je l'ai, vous l'avez vu, n'est-ce pas, dans le titre de ce soir, nous allons prier pour briser toute alliance avec les serpents, toute alliance avec les serpents. Je commençais par vous dire, bienvenue dans le Seigneur, nous sommes en train de prier pour combattre, n'est-ce pas, bienvenue, les animaux sauvages. Je vous ai dit, n'est-ce pas, les puissances occultes, notamment Satan et toute son organisation, ils utilisent, bienvenue dans le Seigneur, les animaux sauvages. Ils utilisent généralement les animaux, n'est-ce pas, pour attaquer les gens, n'est-ce pas? Il se transforme, bien aimé dans le Seigneur. Il
Il se camoufle dans les animaux pour attaquer les hommes. Vous lisez la parole de Dieu, bien-aimé. Satan, le diable, on le représente généralement toujours sous forme, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur, forme des animaux. Sous la forme animale, lorsque vous lisez la parole de Dieu. Donc, lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, la Bible dit clairement, n'est-ce pas, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Un lion rugissant. Et d'autre part, on dit, bien-aimé, dans le Seigneur, que là, c'est les serpents anciens. Il est le dragon. Ouais, n'est-ce pas? Ça, il est le serpent ancien. Il est le dragon. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 11, le verset 3, partant, n'est-ce pas, de l'épisode du jardin d'Éden, là, on dit clairement, toutefois, de même que les serpents séduisent Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, le travail a commencé depuis le jardin d'Éden. Où, n'est-ce pas, Satan, bien-aimé dans le Seigneur, le serpent a prêté son corps à Satan, le diable, pour aller tenter Adam et Ève. Il a prêté son corps. Voilà pourquoi il a été maudit par Dieu, pour avoir prêté son corps à Satan. Et bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez, Satan a pris le corps physique du serpent. Il est allé tenter Adam et Ève. Vous voyez, en utilisant les penchants naturels de cet animal-là, la ruse. Il est passé par la ruse. Et bien sûr, la caractéristique du serpent aussi, bien-aimé, c'est le camouflage. La caractéristique du serpent aussi, c'est le déguisement. Le serpent, bien-aimé, a aussi la caractéristique de se camoufler, de se déguiser. La plus certains serpents, bien sûr. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé? Donc, il a utilisé, n'est-ce pas, les penchants naturels du serpent. C'est pourquoi la plupart, bien-aimé, dans l'océan, la plupart des gens qui sont dans l'occultisme, qui sont dans la magie, qui sont dans la sorcellerie, bien-aimé, ils se transforment en animal pour attaquer les hommes, que ce soit dans le rêve, que ce soit, bien-aimé, dans le Seigneur, de manière occulte, de manière mystique, ils se transforment en animal, en chat, en chien, en lion, en éléphant, en loup, en hibou, je ne sais pas, en fourmi, n'importe lesquels, en utilisant, bien sûr, n'est-ce pas, les penchants naturels de cet animal, de cet insecte ou de cet oiseau dévoreur, ou en rongeur parfois, le rat, le souris et consort. Voyez-vous, le reptile, le lézard et consort. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, nous avons affaire à ces combats. Nous devons ouvrir nos yeux, clairement, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons ouvrir les yeux pour ne pas laisser, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On dit bien, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, il se déguise. Toutefois, il n'est donc pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et bien sûr aussi, ces hommes, n'est-ce pas, bien-aimé, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Voyez-vous, donc nous avons à lutter contre cette puissance, bien-aimé dans le Seigneur, de la sorcellerie, de l'occultisme, de la magie, mais qui se déguise, qui font, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, des projections astrales, qui se transforment, qui font de la métamorphose pour pouvoir voler d'un endroit à un autre, qui se cachent parfois, bien-aimé dans le Seigneur, la nuit, ou parfois, comme je vous ai dit, il y a des histoires qu'on raconte, parfois les gens pour faire la chasse, que ce soit en Europe, chez le Gaulois à l'époque, peut-être même maintenant, les chasseurs devaient se transformer, je ne sais pas, en hyène, devaient se transformer en, je ne sais pas, en chien, pour ne pas, n'est-ce pas, bien-aimé, se faire voir. Donc, que ce soit en Afrique, que ce soit ici, hein, l'histoire des chasseurs, si vous lisez, vous allez voir qu'effectivement, il y a des légendes comme ça, mais qui ne sont pas des légendes, ce sont des réalités spirituelles. Ce sont des réalités spirituelles. Voyez-vous, lorsque vous lisez les livres d'Harry Potter, il dit clairement, n'est-ce pas, comment il vole sur une tige de balai. Donc, nous, on croyait les histoires, c'était des histoires à l'époque. Mais quand Harry Potter le dit clairement, il est à l'école des sorciers, c'est clair. Les choses qui étaient cachées, qui étaient occultes à l'époque, on disait c'était occulte. Mais Satan dit non, je n'ai pas besoin d'être occulte. C'est le temps de l'affaiblissement. Il est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc, ce qui était occulte n'est plus occulte. Maintenant, ce sont les choses qui sont maintenant à découvert. Les cercles là où les gens étaient cachés, bien-aimés dans le Seigneur, pour pratiquer l'occultisme, pratiquer la magie et autres, ce sont des cercles maintenant ouverts.
temple de Satan. L'époque pouvoir des autres, c'est temple de Satan, c'était caché. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, on voit les temples de Satan partout, c'est clair, ils ont ouvert les temples clairement. Parce qu'il sait qu'il nous reste un peu de temps maintenant, allez, il se met à découvert. Mais nous, nous devons avoir, bien aimé dans le Seigneur, les yeux pleinement ouverts pour ne pas justement laisser l'avantage, à Satan l'avantage sur nous. La Bible nous dit clairement, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Sous la puissance du malin, bien aimé dans le Seigneur. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc, notre combat, bien aimé dans le Seigneur, nous avons affaire à un combat spirituel. Qu'on soit conscient, qu'on soit inconscient, dès lors que nous devenons chrétiens, bien aimés, nous sommes engagés, bien aimés dans le Seigneur, dans cette lutte. Nous sommes engagés dans ces combats. Vouloir ou pas, nous sommes engagés dans ces combats. C'est depuis Genèse 3, le verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous sommes pleinement engagés dans ces combats spirituels, bien aimés dans le Seigneur. Mais on en fait pas, n'est-ce pas, bien aimés dans le Seigneur, une paranoïa, on devient parano. Tout le temps, au nom de Jésus, tu vois une mouche, tu vois une moustique. Non. Écoutez, je sais que on a le Saint-Esprit qui est là pour nous révéler les choses cachées et nous mettre la sensibilité avec sur le monde spirituel et nous mettre en alerte pour pouvoir prier. C'est pourquoi nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. C'est lui qui nous met en alerte. Comme maintenant le Saint-Esprit a permis que nous puissions prier pour ces choses, ça fait depuis un certain temps. Nous y sommes là-dedans, pleinement là-dedans. Nous prions véritablement. Et je vous assure, bien aimé, il y a des résultats depuis qu'on a commencé à prier. Il y a des résultats. Les gens m'appellent mon livret, pasteur, il y a ça. Moi-même, je vois des choses. Le Seigneur me montre qu'effectivement, là, je suis à l'œuvre. Important de pouvoir prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Et nous voyons dans l'épisode, n'est-ce pas, bien-aimé, de Pharaon, avec Moïse et Pharaon, n'est-ce pas, Dieu appelle Moïse. Il dit à Moïse clairement, n'est-ce pas, il dit, Moïse répondit, il dit, voici. Moïse dit, ils ne me croiront point. Dieu dit à Moïse, va là-bas, va voir mes enfants. Dis-leur, tu viens de ma part. Tu vas le libérer. Moïse venait dans le ciel, il répondit, il dit, mais voici, ils ne me croiront pas, ils n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel le dit, jette-la par terre, il la jeta par terre, elle devint un serpent, Moïse fouilla devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main, elle est saisie, et le serpent devint une verge dans sa main. Bien aimé dans le Seigneur, la chose la plus compliquée, c'est de saisir le serpent par la queue. Mais il était mort. Saisis-le par la queue, il le saisit par la queue, bien aimé dans le Seigneur. Ouais. Mais le serpent, bien aimé dans le Seigneur, a été changé, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, en verge. Et maintenant, Moïse, Dieu dit à Moïse, vas-y maintenant. Si Pharaon doute que c'est moi qui t'ai envoyé, ça c'est un des numéros que tu lui feras. Mais je pense, là, bien-aimé, Dieu savait, Dieu connaissait le pouvoir de Pharaon. On en a prié hier. Les poids de Pharaon, bien-aimé, Pharaon avait pour pouvoir, n'est-ce pas, bien-aimé, les serpents. Il avait alliance avec le cobra. C'était le symbole protecteur. C'était l'animal protecteur du pouvoir de Pharaon. C'est cet animal qui était toujours dans une position levée, une position montée, une position prête à attaquer tout celui qui s'opposera à son pouvoir, tout celui qui s'opposera à son autorité. C'est pourquoi on voit, n'est-ce pas, venir de l'autre. C'est toujours, n'est-ce pas, venir l'uraïs qui est là, toujours prêt à attaquer. Vous voyez, n'est-ce pas? Le cobra est toujours, quand il se met dans cette position, mais c'est pour attaquer. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, Dieu envoie maintenant Moïse. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, c'est-à-dire des magiciens, des sorciers. Et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leurs enchantements. C'est un numéro de magie, bien aimé dans le Seigneur. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges.
Voilà toute la différence. La verge d'Aaron engloutit leur verge. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi je parle de l'alliance? C'est pour, bien-aimé dans le Seigneur, vous montrer qu'il y a des gens qui ont fait alliance avec les serpents. Les gens qui ont fait alliance avec les serpents, de par leur pratique. C'est quoi l'alliance? L'alliance, c'est un accord. Donc, leur pouvoir vient dans l'océan, n'est-ce pas? Ils ont fait, n'est-ce pas, alliance avec les serpents. Ils se sont associés, n'est-ce pas? Ils ont fait alliance avec la puissance occulte. Puissance de la magie. Je vous ai dit, n'est-ce pas, les serpents symbolisent, n'est-ce pas, bien dans l'océan, symbolisent la ruse. Les serpents symbolisent, bien dans l'océan, la ruse. Les serpents symbolisent, bien évidemment, dans le ciel, la puissance du mal. C'est ça, les serpents, en fait. La ruse. Les serpents symbolisent la malveillance. Les serpents, bien aimés, symbolisent quoi, n'est-ce pas? Symbolisent le danger. Les serpents symbolisent, bien aimés, le piège. Les serpents, bien aimés, symbolisent la mort par son venin. Symbolisent, n'est-ce pas, bien aimés, les forces du mal, les puissances maléfiques. Ouais, n'est-ce pas? Donc, ces gens, bien-aimés dans le Seigneur, en pratiquant la magie, en pratiquant l'occultisme, bien-aimés, ils ont scellé une alliance avec quoi? Ils ont scellé une alliance avec les serpents. Serpent qui est symbole du mal, symbole satanique. Je dis clairement, n'est-ce pas? Les serpents, c'est symbole satanique. Pourquoi la Bible nous dit clairement, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez dans Apocalypse 12, le verset 9, vous voyez clairement, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, Satan, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, Satan, le diable, c'est les serpents, c'est le dragon, le grand dragon, les serpents anciens, tel qu'Apocalypse 12, le verset 9 nous dit, le grand dragon qui a été précipité, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ça la puissance même, n'est-ce pas, bien-aimé, de Satan le diable. C'est caché, n'est-ce pas, bien-aimé, dans les serpents. Le grand dragon a été précipité. Je dis bien, le grand dragon a été précipité. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir, n'est-ce pas, il y a des gens qui ont fait alliance avec, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, le puissance, n'est-ce pas, de l'occultisme, le puissance de la magie, le puissance de la source. Il y a des gens qui ont fait alliance, bien-aimé dans le Seigneur, avec Satan le diable. Sans le savoir, l'alliance, c'est l'accord. L'alliance, c'est le pacte, bien-aimé dans le Seigneur. Il fut précipité. Le grand dragon, les serpents anciens, appelaient le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses agents, ses anges furent précipités avec lui. Ses anges furent dans les démons, les esprits impurs, les esprits maléfiques. Le grand dragon, les serpents. Le grand dragon, c'est toujours la forme, n'est-ce pas? C'est un reptile. Un des gros reptiles qui puisse exister. Les serpents, n'est-ce pas? Les reptiles. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimés? Le diable. Donc, ces gens ont montré que clairement, bien aimé, ils étaient en communion avec les esprits maléfiques qui se sont transformés, n'est-ce pas, bien aimé, Seigneur, qui se sont transformés en serpents. Mais bien aimé, ces esprits ont été dévorés par là. C'était la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu et la puissance maléfique, la puissance satanique, la puissance diabolique, mais la puissance de Dieu a avalé, bien aimé, a dévoré la puissance maléfique, la puissance satanique. Bien aimé, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on a le pouvoir, n'est-ce pas, de neutraliser, bien aimé, dans le Seigneur, de neutraliser la puissance maléfique. C'est pourquoi la Bible le dit clairement, bien aimé, lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle nous montre le pouvoir qui nous a été donné par le Seigneur. Il dit, n'est-ce pas, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Voilà pourquoi on est sur les serpents et les scorpions. C'est la puissance maléfique, la puissance diabolique, la puissance capable, n'est-ce pas, de détruire les vies, d'hypothéquer les destinées. Bienvenue dans le Seigneur. Je vous donne le pouvoir. Je vous ai donné, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Voyez-vous, n'est-ce pas? Le combat a été déclaré, n'est-ce pas, dans Genèse 3:15. Mais là, n'est-ce pas, Jésus nous donne le pouvoir. Le même pouvoir, bien dans le Seigneur, que Dieu a donné à Aaron, que Dieu a donné, bien aimé, à Moïse, à travers, n'est-ce pas, la verge. Il dit, prends cette verge, il a jeté la verge, s'est transformé en serpent. Il dit, voilà,
je vais te juger par le même, par ton, le même pouvoir que tu as. Je te jugerai par le même pouvoir. Te montrer, n'est-ce pas, c'est moi qui ai créé les serpents. Je ne l'ai pas créé pour que tu puisses l'utiliser. J'ai créé les serpents pour ma gloire parce que tout ce que Dieu avait créé était bon. Mais c'est Satan, bien aimé, qui usurpe, c'est un usurpateur. C'est un usurpateur. Il fait toujours le contraire de ce que Dieu fait. Si Dieu fait quelque chose pour le bien, lui, il utilise cette chose pour le mal. Il a utilisé les serpents pour le mal, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu dit, je te jugerai toujours par les serpents. C'est moi qui ai créé les serpents, je te jugerai par les serpents. Mais les serpents, n'est-ce pas, de Moïse, a englouti tous les serpents, n'est-ce pas, des magiciens, n'est-ce pas, de Moïse. Il les a engloutis, dévorés. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, la puissance de l'occultisme n'a aucun pouvoir sur toi. Nous avons, bien-aimé, dans le Seigneur, nous avons le pouvoir. Prenons conscience que ce que Dieu nous a donné, nous n'avons pas envie ce qui sont dans l'occultisme, dans la société. C'est rien par rapport à la puissance de Dieu. Il peut faire des choses parfois qui nous étonnent et puis qui nous surprennent, des choses qui nous font peur même parfois. Il dit bien parfois, mais c'est rien devant la puissance. C'est rien par rapport à la puissance, n'est-ce pas, que Jésus nous a donné. Jésus a dit, je vous ai donné, bien aimé. Il nous l'a donné. Dès lors que tu crois en Jésus, n'est-ce pas, il te donne, c'est le cadeau qu'il nous donne, n'est-ce pas, la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Tu l'as bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tu l'as bien aimé dans le Seigneur. Dieu n'a pas changé exactement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La même puissance qu'il a donnée à Moïse, tu l'as bien aimé. Et là, maintenant, tu l'as avec toi en permanence. C'est pourquoi tu dois être bien aimé. Tu dois vivre dans la pureté, dans la sanctification, pour garder cette puissance, pour garder cette onction, pour que ce pouvoir, bien aimé, soit l'œuvre dans ta vie. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Je vous assure, n'est-ce pas, des gens parfois peuvent, d'une manière ou d'une autre, pratiquer, n'est-ce pas, ce qu'ils peuvent pratiquer, mais tout en sachant que nous avons plus que ça. C'est pourquoi l'autre fois, bien aimé dans le Seigneur, à Éphèse, n'est-ce pas, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple, ouais, n'est-ce pas, l'étonnement du peuple de la Samarie. Alléluia. L'étonner les gens. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Vous voyez, n'est-ce pas? La puissance de Dieu qui s'appelle la grande. Donc, les gens venaient de donner à cette puissance-là comme si elle venait de la part de Dieu. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ces actes de magie. Bien-aimés dans l'océan, la magie, c'est cette pratique occulte. C'est une pratique occulte, bien aimé dans le Seigneur. Dans laquelle on retrouve, n'est-ce pas, l'astrologie, la divination, l'occultisme, la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur. C'est une pratique occulte dans laquelle on retrouve, n'est-ce pas, l'astrologie, la divination, l'occultisme, la sorcellerie, n'est-ce pas. On trouve là-dedans, dans la magie. Celui qui pratique la magie, bien aimé, c'est un sorcier. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur. Donc, alors, ceux qui pratiquent la magie ou la sorcellerie, n'est-ce pas, bien-aimés, ils sont en alliance. Et dans nos familles, c'est là que je voulais en revenir, il arrive des fois, bien-aimés, que les gens ont pratiqué cela, bien-aimés, dans le Seigneur. Les gens ont pratiqué la sorcellerie. Les gens ont pratiqué la divination, bien-aimés, dans le Seigneur. Regardez toujours à Éphèse, autrefois, toujours à l'époque de l'apôtre Paul, bien-aimés, les gens pratiquaient les arts magiques. Regardez bien. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, ils les brûlèrent devant tout le monde en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. 50 000, bien aimé. C'est comme le salaire de 5, parce qu'en fait, une pièce, c'était le salaire, n'est-ce pas, journalier. Une pièce, le salaire. Donc, 50 000 jours de travail. Presque 50 000 jours de travail. Presque 50 000 jours de travail. C'est à peu près, si on compte, n'est-ce pas, les 200 jours de travail par an. Donc, c'est pratiquement 250 ans. 250 ans. Imaginez-vous, de travail.
une personne comme salaire. Ça montre comment l'Esprit a béni dans le Seigneur. Les armes magiques étaient importantes à Éphèse à l'époque. Mais Paul, rempli du Saint-Esprit, il a prêché l'évangile. Les gens se sont tournés vers lui. Pourquoi ont-ils consumé ces livres, bien-aimés? C'est parce qu'ils ne voulaient pas y revenir un jour. Ils ne voulaient pas que ça soit une tentation. C'est étonnant de voir certains chrétiens. Tu t'es converti. Tu gardes encore tes livres de pornographie. Tu gardes encore tes cassettes, n'est-ce pas, de musique mondaine. Tu gardes encore, je ne sais pas, tes livres de ceci ou de cela. Tes livres qui ne sont pas propres, des interdits. Tu les gardes encore. C'est dangereux, c'est une alliance. Tu gardes encore l'alliance, bien-aimé, avec ces choses-là. Tu dois briser l'alliance, consumer cela, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est que tu es toujours en accord avec ça. L'alliance, ça veut dire, c'est l'accord. C'est comme, n'est-ce pas, quelqu'un qui fait la prière, tu dis, amène à la prière. Tu es en accord avec les paroles. Tu es en accord avec les paroles. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit, bien-aimé, dans le Seigneur? La Bible nous dit, n'est-ce pas, dans le psaume 121, le verset 7, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible nous dit clairement, bien-aimé dans le Seigneur, que par tes paroles, je dis bien, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc nous devons faire très attention des paroles qui sortent de notre bouche, bien-aimé dans le Seigneur. Alors quand tu dis amen, quand tu es en accord avec ce que quelqu'un a mis dans un livre, tu le lis, tu dis, ah, je suis d'accord avec ça, bien-aimé dans le Seigneur. Tu te mets en alliance. On peut sceller l'alliance avec les yeux, on peut sceller l'alliance avec les oreilles, on peut sceller l'alliance avec la bouche, on peut sceller l'alliance avec l'odorat, on peut sceller l'alliance avec les cinq sens, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il faut faire très attention. Et Dieu nous met en garde, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à certaines alliances. Parfois, il y a des gens, bien-aimé, qui pratiquent la magie, qui pratiquent l'occultisme, qui pratiquent la sorcellerie. Nous les laissons entrer dans nos maisons, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous ne sommes pas des hommes de prière, bien-aimé, ils vont nous sceller, ils vont, bien-aimé, nous mettre en alliance avec les puissances occultes. Faisons attention. C'est pourquoi la Bible dit clairement, n'est-ce pas, bien-aimé, qu'on trouve chez toi. Qu'on trouve chez toi personne. Deutéronome 18, le verset 10. Qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce les métiers des devins, d'astrologues, d'augures et des magiciens. D'enchanteurs. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Qu'on trouve chez toi personne, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc nous devons faire très attention. Il y a des choses, bien-aimé, qu'il faut brûler avec dans le feu. Invoquer le feu du Saint-Esprit pour consumer, bien-aimé, dans le Seigneur. Tout ce qui peut nous mettre en alliance avec le monde spirituel. Tout ce qui peut, bien-aimé, nous connecter, bien-aimé, aux esprits. En réalité, n'est-ce pas, bien-aimé, les bâtons n'étaient rien. Les bâtons n'étaient rien. Ces bâtons-là, c'était des démons, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est des esprits, bien-aimé, dans le Seigneur, qui se sont transformés en serpents. C'est des esprits. Les bâtons n'ont rien, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est comme j'ai mon stylo ici, il n'y a rien dans ce stylo, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est lorsqu'on fait des incantations, lorsqu'on déclare des paroles, on invoque les esprits, n'est-ce pas? Les esprits viennent, ils prennent contrôle de ce stylo. Ce stylo peut commencer à bouger, vous le voyez, n'est-ce pas, bien-aimé? Il reste en l'air, il bouge, vous savez, c'est pas bon. Les gens s'étonnent, c'est la magie. Et pourtant, les gens s'étonnent, mais pourtant, ce sont les esprits qui les maintiennent. Autrement parlé, bien-aimé, ça ne peut que tomber par la loi de la gravitation. Jésus a vaincu, bien-aimé, la loi de la gravitation. Pourquoi? Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Que ce soit, bien-aimé, dans le Seigneur, tous ceux qui sont montés, bien-aimé, qui ont vaincu cette loi, bien-aimé, c'est parce que l'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Et les puissances occultes aussi, bien-aimé, ont aussi ce pouvoir-là. Voilà pourquoi nous devons faire très attention, bien-aimé, dans le Seigneur. Les alliances ont été scellées dans nos familles. Les gens ont été voir des marabouts. Les gens ont été voir, bien-aimé, dans le Seigneur. Et dans tout cela, bien-aimé, ils font alliance avec l'esprit des serpents. C'est l'esprit de la magie. L'esprit de la magie, bien-aimé, dans le Seigneur. La magie, les incantations. Dans la magie, je vous ai dit, n'est-ce pas, bien-aimé, il y a l'astrologie. Fais attention, bien-aimé. Allez consulter, n'est-ce pas, bien-aimé. On consulte les mains, l'astrologie. Fais attention, bien-aimé, dans le Seigneur. Fais attention, bien-aimé. J'insiste encore. Parce que dans la magie, n'est-ce pas, c'est la pratique occulte dans laquelle, n'est-ce pas, bien-aimé, on inclut l'astrologie, la divination, la sorcellerie, l'occultisme, bien-aimé. Il faut faire très attention. Des gens ont scellé l'alliance avec la magie. Donc, les serpents, c'est l'esprit du serpent. Les serpents symbolisent la puissance de la magie, la connaissance, la superstition.
Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé, pour briser ces alliances-là, bien-aimé, qui ont été scellées parfois, bien-aimé, à notre insu. Mais ce que j'aime, bien-aimé, c'est que la verge d'Aaron, bien-aimé, a englouti, n'est-ce pas, bien-aimé, les verges des magiciens d'Égypte. Donc, les arts magiques ont été neutralisés. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Donc, tous les esprits égyptiens, bien-aimés, n'est-ce pas, c'est de l'Égypte, n'est-ce pas, qui viennent, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur, la plupart de sciences occultes, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, bien-aimés, la source, n'est-ce pas, bien-aimés, c'est l'Égypte, et la source aussi, bien-aimés, de la sorcellerie, n'est-ce pas, c'est Babylone. On parle, n'est-ce pas, Babylone la Grande. Donc, la source de la plupart des mystiques, bien-aimés, dans le Seigneur, Babylone, Égypte, bien-aimés, ce sont des sources terribles de ces puissances occultes. Mais nous croyons, bien-aimés, dans le Seigneur, que nous avons plus que toutes ces puissances-là. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est capable, n'est-ce pas, d'engloutir, n'est-ce pas, bien-aimés, dans le Seigneur, toutes ces puissances-là, n'est-ce pas. C'est là qu'on parle même, n'est-ce pas, de Jannès et Jambres, n'est-ce pas, qui se sont opposés à Moïse. Bien-aimés, ces puissances s'opposent. Vous voyez, n'est-ce pas, comment Simon le magicien, il était en train, n'est-ce pas, bien-aimés, dans le Seigneur, de... d'étonner les gens par ces actes de magie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que la puissance divine emporte toujours, bien-aimé dans le Seigneur, sur la puissance maléfique, sur la puissance humaine, d'une manière ou d'une autre. La puissance divine l'emporte toujours. Ah oui, bien-aimé, c'est Dieu qui fait la différence. Dieu de la différence, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, les serpents qui étaient, n'est-ce pas, les symboles, n'est-ce pas, du pouvoir égyptien, les symboles du pouvoir des pharaons, les symboles de l'autorité pharaonique. Malgré, bien-aimé dans le Seigneur, ce pouvoir qui était menaçant aux Égyptiens, menaçant, n'est-ce pas, pour Moïse, menaçant pour Aaron, menaçant, bien-aimé dans le Seigneur, pour les Hébreux, les Israélites. Bien-aimé le Seigneur, mais Dieu a montré que malgré ce pouvoir menaçant, mais la puissance de Dieu est capable de neutraliser ce pouvoir. Tout a commencé par là. Dieu a montré à Pharaon, n'est-ce pas, malgré que ce pouvoir est menaçant pour vous, malgré que ce pouvoir, n'est-ce pas, est capable, n'est-ce pas, de vous anéantir, mais je vais vous montrer que ce pouvoir n'est rien devant ma puissance à moi. Voilà pourquoi, bien-aimé le Seigneur, n'est-ce pas, Pharaon s'est rendu compte que non, c'est son pouvoir n'était rien. Donc, Dieu est descendu dans, Dieu est entré dans le langage des pharaons. Oui. Comme ton langage, c'est les serpents. Comme ton langage, c'est la magie. J'entre dans ton langage. Dieu descend au niveau, n'est-ce pas? Au niveau de Pharaon. À son niveau. À son langage. Il dit, je descends dans ton langage pour que tu comprennes mon langage. Comme ton langage, n'est-ce pas? C'est la magie. C'est ce qu'il a appelé, n'est-ce pas? Ces gens, hein, les magiciens, les astrologues, les enchanteurs. Il dit, comme je descends dans ton langage à toi. Moi aussi, les serpents, allez, jette aussi la verge. Dieu savait que Pharaon s'est préparé. Avec ses magiciens, ses enchanteurs, ses occultistes, ses consorts. Et Dieu a dit, non, je sais qu'il se prépare. Allez, va aussi avec la verge. Il a commencé d'abord par montrer à Pharaon le numéro pour que tu n'aies pas peur. Allez, jette par terre. Saisis par la question. Moïse a dit, oh, ça marche, hein. Oh, mais c'est pas bon, ça marche. Il dit, ouais, va maintenant. Dieu savait, connaissait, n'est-ce pas, le pouvoir de Pharaon. Dieu connaît toutes choses. Il dit, je vais lui parler dans son langage. Je vais entrer dans son propre langage. Comme ça, je vais te juger, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es rien devant ma puissance. Tu n'es rien devant ma grandeur. Tu n'es rien devant tout ce que moi j'ai, n'est-ce pas? C'est que Dieu est en train de dire à Pharaon. Malgré votre imitation, n'est-ce pas? Mais tu n'es rien devant moi. Bien-aimé, Dieu nous montre par là, n'est-ce pas, l'impuissance de la magie, l'impuissance de l'occultisme, l'impuissance de l'astrologie, bien-aimé dans le Seigneur, l'impuissance de la divination. Dieu nous montre l'impuissance de toutes ces choses. Je ne dis pas que ces choses n'ont pas de pouvoir, mais leur impuissance face à la puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons élever nos voix.
Tu vas dire, Seigneur, merci pour ta puissance. Alléluia. Seigneur, merci pour ta puissance, Seigneur notre Dieu. Oh, bien-aimé. Nous devons nous rendre compte, mais nous avons quelque chose. Il nous a donné, bien-aimé, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons quelque chose. Nous n'avons pas envié, n'est-ce pas, aux sorciers, aux occultistes, aux magiciens. Nous n'avons pas leur envié. Même s'ils font tomber ils font sécher, n'est-ce pas, les feuilles d'un arbre. Oh, comment ça dit, ouais. Nous n'avons pas les âmes. Nous avons plus que ça. Dieu ne veut pas nous aller avec nous dans les spectacles, non. Dieu, en nous, c'est la foi. Même Moïse et Moïse croient que si tu touches ces serpents-là par là, qu'il n'y aura rien. Nous, c'est la foi seulement. La foi, bien-aimé dans le Seigneur. La foi en Dieu. La foi en ses miracles. La foi que Dieu est capable. Je crois, c'est tout. Le reste, c'est Dieu qui va s'en charger. Moi, j'y crois seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons élever nos voix. Alléluia. Nous allons élever nos voix pour dire, Seigneur, merci pour ton pouvoir. Merci pour ta puissance. Alléluia. Merci pour ton règne. Merci pour ton autorité. Élève la voix. On commence à bénir le Seigneur. Élève la voix, l'Esprit. On commence à bénir le Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons, Éternel, notre Dieu. Merci pour ta puissance. Merci pour ton pouvoir. Merci pour ton règne. Merci pour ton autorité. Nous te bénissons, Éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta puissance. Merci pour ton autorité. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta puissance au nom de Jésus. L'Éternel est Dieu Tout-Puissant, le puissant de Jacob, toi qui es assis sur le trône éternel, toi qui es assis sur le trône de victoire, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus-Christ, maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ton règne, pour ton autorité, ton nom puissant de Jésus. Alléluia, grand roi de l'univers, merci pour ta présence. Merci pour ta victoire au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever la voix maintenant, tu vas dire, c'est notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever ta voix. Maintenant, tu vas dire, Seigneur, alléluia, je me dresse, n'est-ce pas? Alléluia, je viens briser toute alliance, n'est-ce pas? Alléluia. D'abord, nous allons implorer la miséricorde de Dieu, bien-aimé. Si dans nos familles, bien-aimé, il y a des alliances qui ont été scellées avec la puissance du serpent, n'est-ce pas? Déjà, on a pratiqué la sorcellerie, l'astrologie, la magie, la divination, l'occultisme, bien-aimé. La plupart, n'est-ce pas, bien-aimé? Les gens ont scellé l'alliance avec, n'est-ce pas, bien-aimé? Les serpents. La puissance maléfique, la puissance diabolique. Nous allons implorer la miséricorde. C'est pourquoi la Bible dit qu'on trouve chez toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Les gens qui ont pratiqué la magie, n'est-ce pas, bien-aimé, nous avons, d'ailleurs, même parfois, il y a des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des apôtres, des docteurs, n'est-ce pas, bien-aimé, le Seigneur, qui pratiquent la magie, qui sont dans la magie, dans la sorcellerie, ils font des pratiques abominables dans leurs églises. Des pratiques abominables, n'est-ce pas, bien-aimé, le Seigneur. On croit que ce sont des prophètes, bien-aimé, mais ils font de la divination. C'est vraiment de la divination, de la prestidigitation. Mais parfois on est distrait, on se laisse aller, bien-aimé, dans notre naïveté, bien-aimé. C'est pourquoi, les temps de la fin, tu dois demander l'esprit, le discernement des esprits. Seigneur, ouvre-moi l'intelligence, rends-moi sensible. Parfois, bien-aimé, tu ne le sens pas, malgré que quelqu'un est en train de prophétiser dans tous les temps. Mais ton cœur est... Malgré cela, on en a besoin. Nous allons implorer la miséricorde. Nous nous sommes exposés, bien-aimés. La Bible dit clairement, les temps de la fin, bien-aimés, dans le Seigneur, il y aura de faux docteurs. Il y en aura de faux. Alléluia. Il y aura de faux. Nous allons nous exposer en disant amen, n'est-ce pas, à leur prophétie, en disant amen à leur prière, bien-aimés, dans le Seigneur. Ah oui, nous allons sceller l'alliance avec cet esprit, n'est-ce pas, des serpents, cet esprit de magie, cet esprit de divination, cet esprit, n'est-ce pas, bien-aimés, de d'astrologie, de l'occultisme. Nous allons élever nos voix pour dire, nous implorons ta miséricorde. Seigneur notre Dieu, pardonne-nous. Élève la voix, n'est-ce pas? Commence à implorer la miséricorde, n'est-ce pas? Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous implorons ta miséricorde, éternel, notre Dieu. Ta miséricorde et ton pardon. Là où nous nous sommes exposés, Seigneur notre Dieu, à ces esprits de divination, à ces esprits d'astrologie. Là où nous nous sommes exposés, grand roi de l'univers, à ces esprits, alléluia, de magie. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Si dans nos familles, tendre Père, les gens ont pratiqué, on a pratiqué, éternel,
l'Éternel, notre Dieu, on a pratiqué l'occultisme, on a pratiqué la magie, on a pratiqué la divination, on a pratiqué les enchantements, on a pratiqué, Éternel, notre Dieu, on a exercé les métiers des devins, d'astrologues, d'augures, des magiciens, on a fait toutes ces pratiques occultes. Tendre Père, nous implorons ta miséricorde et ton pardon, maître du ciel et de la terre, nous implorons ta miséricorde, puissant de Jacob, grand roi de l'univers, nous implorons ta miséricorde, Éternel Dieu tout-puissant, les dieux grands et redoutables, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te louons Seigneur, nous te glorifions Seigneur, nous te magnifions Seigneur, maître du ciel et de la terre, au nom puissant de Jésus Christ, Dieu tout-puissant, merci pour ta grâce, merci pour ton amour et pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus Christ, nous te bénissons, nous te louons tendre Père, gloire et louange à toi Éternel notre Dieu. Seigneur, tu es digne d'être loué, d'être célébré. Glorifie ton nom dans nos vies, maître du ciel et de la terre. Manifeste ta gloire dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es digne d'être loué, d'être célébré. Alléluia, tendre Père, merci grand roi de l'univers. Bienvenue dans le Seigneur, nous allons proclamer, n'est-ce pas, d'abord, Galates 3, le verset 13-14. Nous allons les proclamer ensemble. Galates 3, le verset 13-14. Alléluia. N'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur? Galates 3, le verset 13-14. Nous allons proclamer ces versets. C'est très important, bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Galates 3, 13-14. Ensemble, nous disons quoi? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Voyez, n'est-ce pas? Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons élever nos voix maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pourquoi, bien-aimé? Nous allons prier premièrement d'abord, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons, n'est-ce pas, alléluia, nous avons demandé pardon, n'est-ce pas, pardon, Seigneur. Alléluia, la repentance. Nous allons maintenant renoncer, n'est-ce pas? Tu vas renoncer, Seigneur, je renonce. Si j'ai eu à me connecter, n'est-ce pas? J'ai eu à me connecter aux faux prophètes. J'ai eu à me connecter aux faux pasteurs, aux faux docteurs. J'ai eu à me connecter, n'est-ce pas? Je ne sais pas, aux faux évangélistes. Seigneur, je renonce à toutes les alliances, n'est-ce pas? Ou, n'est-ce pas, les liens d'âme auxquels je me suis lié, n'est-ce pas? À ces faux apôtres, à ces faux docteurs, à ces faux évangélistes, à ces faux pasteurs. Seigneur, je renonce à toutes ces mauvaises alliances au nom puissant de Jésus. Ces alliances avec, n'est-ce pas, l'esprit des serpents. Élève la voix, n'est-ce pas, commence à renoncer, n'est-ce pas, commence à renoncer. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous venons renoncer, Éternel, notre Dieu. Nous renonçons, c'est notre Dieu, à toutes ces alliances auxquelles nous sommes liés, aux faux apôtres, aux faux évangélistes. Notre Seigneur, notre Dieu, nous implorons ta grâce et ta miséricorde, maître du ciel et de la terre. Seigneur, souviens-toi par le sang de Jésus. Nous venons renoncer, Éternel, notre Dieu, aux fausses alliances, aux alliances maléfiques que nous avons scellées avec les esprits impurs à travers les faux apôtres. Nous renonçons, tendre Père, nous y renonçons au nom puissant de Jésus, maître du ciel et de la terre. Nous te bénissons, grand roi des nuées, comme il est écrit dans ta parole. Nous y renonçons, maître du ciel et de la terre. Nous renonçons, Éternel, notre Dieu. Nous renonçons à toutes ces pratiques occultes au nom puissant de Jésus et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde. Nous renonçons, Éternel, notre Dieu, à toutes ces pratiques occultes au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Tendre Père, merci. Bienvenue dans le Seigneur, tu vas renoncer à tout contact avec les esprits maléfiques. La Bible nous dit quoi, n'est-ce pas? Mais l'esprit dit expressément dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Oui, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons prier pour dire, Seigneur notre Dieu, je renonce à toute alliance avec les esprits maléfiques. Je renonce à toute alliance, alléluia, alléluia, avec des esprits séducteurs au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas renoncer, n'est-ce pas, bien-aimé? Toute alliance, n'est-ce pas, toute union, tout contact. Renonce à ces contacts-là. Renonce à cette alliance avec des esprits séducteurs. Pourquoi, bien-aimé? Parce que, n'est-ce pas, on dit bien, les quelques-uns pour s'attacher à des esprits séducteurs. Bien-aimé dans le Seigneur. Les gens vont oublier. Je dis bien, les gens vont oublier. Oublier quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Que la parole de Dieu, mais c'est pas seulement les prophéties. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas les miracles. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'abord cette parole qui nous amène, n'est-ce pas, à la repentance. Changement.
transformation de vie. C'est pas les miracles que les gens recherchent, bien évidemment, c'est à tout bout de champ. Non. Regardez la victoire. On dit bien, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la folie de Dieu dans leur propre corps, dans leur propre conscience. L'hypocrisie des faux docteurs. Vous voyez, n'est-ce pas? Tu vas élever la voix du Seigneur. Je renonce à tout contact, n'est-ce pas? À tout lien, à toute union, à toute association avec les esprits séducteurs, avec les esprits démoniaques. Seigneur, je renonce au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimé. Élevons nos voix. Proclamons trois fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous venons renoncer éternel, notre Dieu, à tout contact, à toute association. Alléluia. À des esprits séducteurs, à des démons. Tendre Père, nous renonçons à travers des enseignements maléfiques, des enseignements inspirés par les démons, des enseignements, c'est notre Dieu, inspirés par des esprits des cimetières, inspirés par des esprits de l'enfer. Nous renonçons, tendre Père, alléluia, à tout contact. Nous renonçons, c'est notre Dieu, à toute alliance, à toute avec ces esprits impurs. Nous renonçons, notre Dieu, nous y renonçons, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, maître du ciel et de la terre. Nous venons renoncer éternel, notre Dieu, à tout contact avec les esprits impurs. Nous y renonçons, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel, notre Dieu, merci. Tendre Père, nous renonçons sur notre Dieu à tout contact avec alors, l'esprit de Python, tout contact avec l'esprit de Python, l'esprit de Cobra, tout contact sur notre Dieu avec l'esprit de divination. Nous renonçons éternel à notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, que toute alliance soit brisée. Alléluia, l'alliance est bien évidemment dans le Seigneur. Maintenant tu vas résiler les droits légaux que tu as donné à Satan, n'est-ce pas? Que tu as donné, n'est-ce pas, bien le Seigneur, aux démons, le fait que bien dans le Seigneur, tu t'es attaché avec, le fait que tu as scellé l'alliance avec. Mais tu vas résider les droits légaux que tu leur as donné. Tu as été suivre un apôtre, tu as été suivre un prophète, bien-aimé. Il a prophétisé sur sa vie alors que c'est de la divination, bien-aimé. Donc automatiquement, bien-aimé, tu lui as donné les droits légaux sur ta vie. Parce que tu as dit amen à cette prophétie. Tu as dit amen, bien-aimé, à cette parole. Donc je suis d'accord. C'est l'alliance, bien-aimé, dans le Seigneur. Je suis d'accord. C'est la vérité, bien-aimé. Automatiquement, tu te lis. Tu vas résilier le droit légal que tu as donné à Satan. Le droit légal que tu as donné aux esprits, bien-aimés, aux esprits des cimetières, aux esprits de l'enfer, aux esprits de divination. Tu vas, bien-aimés, dans le Seigneur, résilier le droit légal que tu leur as donné. Vous allez lever nos voix, bien-aimés, tu vas proclamer trois fois le sang de Dieu. Tu vas résilier le droit légal. Déclare-le, bien-aimés, dans le Seigneur. Proclamons trois fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus. Maître du ciel et de la terre, nous venons résilier, grand roi de l'univers, le droit légal. Le droit légal donné, c'est notre Dieu, aux esprits séducteurs. Le droit légal donné aux démons. Le droit légal donné à Satan. À travers, c'est notre Dieu, des prophéties. À travers des enseignements. Alléluia. Des enseignements inspirés par les démons. Tendre Père, je viens renoncer. Je viens résilier le droit légal que j'ai donné à Satan, le diable. À travers la divination. À travers, c'est notre Dieu. Alléluia. Les cultes démons. Je renonce, éternel Dieu tout-puissant. Je viens renoncer au nom puissant de Dieu. Résilie le droit légal que j'ai donné à Satan, que j'ai donné aux démons, que j'ai donné aux esprits impurs, aux esprits maléfiques. J'ai résilié le droit légal que j'ai donné aux esprits des cimetières. Je viens résilier le droit légal au nom puissant de Jésus-Christ dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie, j'ai résilié le droit légal donné à Satan, donné aux esprits impurs, donné aux esprits des cimetières, aux esprits de l'enfer. J'ai résilié le droit légal, alléluia, qui leur a été donné dans certains domaines de ma vie au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci pour ta victoire. Merci pour ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Tu vas maintenant annuler, n'est-ce pas, bienvenue? Tu vas annuler. Alléluia. Tu vas annuler, bienvenue dans le Seigneur. Les tâches, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur, que tu as données aux démons, n'est-ce pas? Les tâches que tu as données au monde maléfique, n'est-ce pas, sur ta vie, à cause de toutes les mauvaises alliances. Tu leur as donné, n'est-ce pas, un travail à faire. Parfois, ils viennent, n'est-ce pas, pour bloquer ta progéniture, pour bloquer tes finances. C'est toi qui leur as donné, bienvenue dans le Seigneur. C'est toi qui leur as ouvert la porte. Maintenant, tu vas, bien évidemment, dans le Seigneur, tu vas annuler les tâches que tu leur as attribuées. Tu vois, j'annule, n'est-ce pas, les tâches attribuées au monde maléfique. Dans ma vie, dans ma destinée, dans ma famille. Seigneur, j'annule les tâches que je leur ai données.
Au nom puissant de Jésus, nous allons proclamer trois fois, bien-aimé, Jésus est vainqueur. Un, deux, trois. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix et nous proclamons ta victoire. Je viens annuler les tâches que j'ai données. Alléluia. Au monde maléfique, à cause de toutes les mauvaises alliances que j'ai scellées. Alléluia. Dans ma vie, avec les esprits impurs. Tendre Père, je viens annuler. Je viens. Je déclare caduque. Je déclare caduque toutes les tâches que j'ai données au monde maléfique, c'est notre aider dans certains domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus, toutes les tâches dans le monde maléfique. Alléluia, dans l'église, de par mon comportement en tant que chef de famille, tendre Père, je viens, je rends caduque, j'annule, tendre Père, les tâches attribuées aux démons, les tâches attribuées aux esprits impurs dans certains domaines de ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans ma destinée, je rends caduque au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, que toutes les tâches que j'ai dû donner aux esprits impurs, aux esprits des cimetières, aux esprits de l'enfer, dans certains domaines de ma vie, tendre Père, je déclare sans effet, nul nom n'a vu, toutes les tâches qui leur ont été attribuées, au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, au nom puissant de Jésus Christ, alléluia. Tendre Père, merci. Bienvenue dans le Seigneur. Maintenant, tu vas maintenant lier les esprits. Alors, les esprits impurs, les esprits démoniaques, bien-aimés, qui ont pris position dans ta vie à travers, n'est-ce pas, bien-aimés, des alliances avec, n'est-ce pas, bien-aimés, des alliances avec les serpents, des alliances, bien-aimés, dans le Seigneur, avec la puissance de la magie, avec la puissance de la divination, avec la puissance de l'astrologie, avec la puissance de l'occultisme, bien-aimés. Tu vas dire, c'est notre Dieu, maintenant là, je viens lier les esprits impurs au nom puissant de Jésus. Les esprits démoniaques qui ont pris possession dans ma vie, qui ont pris possession dans ma destinée, qui ont pris possession dans ma famille, dans ma maison. Je viens lier ces esprits, qu'ils retournent dans leur lieu, dans le lieu, qu'ils retournent dans leur milieu d'origine, qu'ils retournent dans le lieu aride au nom puissant de Jésus. Mais tu vas maintenant lier les esprits impurs. Ce que tu lieras sur terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur terre sera délié au ciel. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Maintenant, tu vas maintenant lier les esprits démoniaques, bien évidemment, Seigneur, les esprits maléfiques qui ont pris position dans ta vie à cause de mauvaises alliances que tu as scellées, bien évidemment, Seigneur, avec les mondes démoniaques, avec les mondes, n'est-ce pas, des serpents. Alléluia. Proclamons trois fois, n'est-ce pas, bien. Proclamons trois fois. Jésus est vainqueur. Un, deux, trois. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Alléluia. Les vainqueurs de Golgotha. Nous venons proclamer ta victoire par la puissance de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Merci, grand roi de l'univers. Je viens briser toute alliance. Alléluia. Qui a été scellé, alléluia, avec ce notre Dieu, alléluia, les esprits impurs, je viens briser ce notre Dieu, je lis les esprits impurs, les esprits démoniaques, alléluia, qui ont pris possession dans ma vie, Seigneur, à travers les mauvaises alliances, à travers les alliances impures, à travers les alliances maléfiques, tendre Père, je lis ces esprits, les esprits des cimetières, vous n'avez aucun pouvoir dans ma vie, parce que ma vie appartient au Seigneur, j'ai scellé l'alliance avec le Seigneur, l'alliance à travers du sang de Golgotha, merci tendre Père, je brandis la croix de Golgotha, la croix du calvaire, dans ma vie, dans mon âme, dans mes pensées, au nom puissant de Jésus, je lis les esprits démoniaques, les esprits impurs qui ont pris possession dans ma vie, alléluia, à cause des mauvaises alliances que j'ai eu à tisser, tendre Père, dans certains domaines de ma vie, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, je lis les esprits des cimetières, les esprits des cimetières, les esprits de l'enfer, que ces esprits libèrent ma vie, les esprits de l'air, que ces esprits lâchent ma vie, libèrent ma famille, libèrent la vie de mon frère, libèrent la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus, libère nos vies, tendre Père, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour et pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Maintenant, tu vas marcher sur la puissance de l'occultisme. Tu vas t'élever, n'est-ce pas, bienvenue. Tu vas briser la puissance de l'occultisme. Alors, tu vas marcher maintenant sur la puissance de l'occultisme, bienvenue dans le Seigneur. La puissance de la magie, la puissance de l'occultisme, la puissance de la sorcellerie, alléluia, la puissance de la divination, bienvenue. Tu vas briser toutes ces puissances, au nom puissant de Jésus. Alors, proclamons trois fois, n'est-ce pas, Jésus est vainqueur. Un, deux, trois, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix et nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Je viens marcher sur la puissance de la magie, la puissance de la sorcellerie, la puissance de l'occultisme, la puissance de la divination, la puissance de
de l'astrologie, la puissance de notre Dieu, alléluia, la puissance de la divination. J'ai marché sur toutes ces puissances parce que le pouvoir m'a été donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi je viens briser la puissance de la sorcellerie, la puissance de la magie, la puissance de l'occultisme, la puissance de l'astrologie, la puissance de notre Dieu, alléluia, de la divination. Je viens briser toutes ces puissances au nom de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que toutes ces puissances soient neutralisées, soient brisées dans ma vie, dans ma famille, au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce. Que tu t'élèves éternel, notre Dieu, dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus Christ, Dieu tout puissant. Merci pour ta victoire, tendre Père, merci pour ton œuvre à la croix, au nom puissant de Jésus Christ. Alléluia, merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce. Alléluia, bienvenue dans le Seigneur. Maintenant, tu vas prier, n'est-ce pas, bien-aimé, que tous ceux qui pratiquent l'occultisme, qui pratiquent la magie, qui pratiquent la sorcellerie, bien-aimé, alléluia, bien-aimé, qu'ils soient neutralisés dans leur pouvoir. Ceux qui pratiquent la sorcellerie, qui s'élèvent contre ta vie, qui pratiquent la sorcellerie s'élèvent alors contre ta vie, qui pratiquent l'occultisme, qui s'élèvent contre ta vie, qui pratiquent la magie, qui s'élèvent contre ta vie, même tu vas prier ce soir pour le Seigneur notre Dieu, qu'ils soient neutralisés, brisés dans leur pouvoir au nom de Jésus. Alléluia, qu'ils soient neutralisés, brisés dans leur pouvoir. Au nom puissant de Jésus, proclamons trois fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Bien-aimé, invoque le feu du Saint-Esprit. Tendre Père, nous invoquons le feu du volant pour neutraliser, paralyser tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, ceux qui pratiquent la magie, qui se dressent contre nos vies, contre nos familles. Tendre Père, qu'ils soient neutralisés, paralysés. Au nom puissant de Jésus Christ, Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta victoire. Que ceux qui pratiquent la magie, ceux qui pratiquent la divination, ceux qui pratiquent les enchantements, ceux qui pratiquent l'astrologie, ceux qui pratiquent les arts magiques, tendre Père, ceux qui pratiquent l'occultisme, ceux qui pratiquent la divination, qui se dressent contre nos vies, qui se dressent contre ton œuvre, qui se dressent contre l'Église, tendre Père, qu'ils soient neutralisés, paralysés dans leur pouvoir, au nom puissant de Jésus. Nous neutralisons, paralysons leur pouvoir, neutralisons, paralysons leur pouvoir, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, maître du ciel et de la terre, glorifie ton nom, manifeste ta gloire, toi l'éternel Dieu tout-puissant, nous te bénissons. Nous te louons, nous te célébrons au nom puissant de Jésus. Qui est Dieu, Seigneur l'Éternel, l'Éternel le rocher. Lève-toi, tendre Père, dans nos vies. Qu'ils soient neutralisés, paralysés dans leur pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, merci pour ta victoire. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons maintenant briser, n'est-ce pas, les malédictions attachées, n'est-ce pas? Alléluia. À ces alliances, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. À ces mauvaises alliances, n'est-ce pas, à ces alliances avec les serpents. Nous allons maintenant briser les malédictions attachées à ces alliances. Alléluia, brisons les malédictions attachées à ces alliances. Alléluia, proclamons trois fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je viens briser toutes les malédictions attachées. Alléluia, à toutes ces alliances avec les serpents. J'ai brisé toutes les malédictions y attachées au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire du sang versé à la croix. Je proclame la victoire du sang de la nouvelle alliance. Que toutes les malédictions dites, Seigneur notre Dieu, alléluia, attachées, alléluia, à ces alliances, soient brisées, soient neutralisées au nom puissant de Jésus Christ, Dieu tout-puissant, merci. Il est dans le Seigneur. Maintenant, tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, localise les serpents dans n'importe quel domaine de ta vie. Localise les serpents. Bienvenue dans le Seigneur, localise la puissance du serpent, localise les serpents, bien-aimé, cachés quelque part, dans un domaine de ta vie, n'est-ce pas, que le feu du Saint-Esprit le localise et les consume au nom de Jésus, alléluia, que tout pouvoir du serpent, tout serpent caché quelque part, que le feu du Saint-Esprit le localise, alléluia, le localise, mais le met à nu, le neutralise au nom puissant de Jésus, alléluia, bienvenue dans le Seigneur, nous allons proclamer trois fois le feu du Saint-Esprit. Alléluia, proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. 1, 2, 3. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous invoquons le feu de vos rangs, grand roi de l'univers. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, que ton feu localise n'importe quel serpent dans certains domaines de nos vies. Tendre Père, dans nos maisons, dans nos familles, dans notre destinée, que le feu du Saint-Esprit localise les serpents, la poêle, la puissance du serpent, la puissance de la divination, soit neutralisée, soit consumée. Au nom puissant de Jésus, nous invoquons le feu sur les serpents cachés dans nos vies, dans nos maisons, tendre Père, que tout serpent caché ou tout serpent qui nous attaque, tendre Père, que le feu de Dieu le localise, le neutralise, au nom puissant de Jésus, nous invoquons le feu partout là où les serpents, c'est notre, se cache dans nos vies, dans nos familles, dans notre destinée, que le feu de Dieu le consume, le feu le localise, au nom puissant de Jésus, nous invoquons le feu de vos rangs, le feu du Saint-Esprit, maître du ciel et de la terre, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix.
la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Nous te bénissons, éternel, notre Dieu. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel, notre Dieu, merci. Que le feu le neutralise, consume ce notre Dieu, ces serpents et toutes ces alliances et toutes ces malédictions. Alléluia. Les malédictions, c'est notre Dieu. Alléluia. Celle qui dure de génération en génération. Merci, tendre Père. Nous proclamons ta victoire. Dieu Tout-Puissant, merci. Que toutes les malédictions, Seigneur, qui durent de génération en génération, soient brisées, soient neutralisées, soient consumées au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci. Merci, tendre pour la délivrance. Bienvenue dans le Seigneur, nous allons maintenant prier pour la délivrance. Que Dieu délivre, n'est-ce pas? Que Dieu te délivre, n'est-ce pas? Bien, tu vois, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, n'est-ce pas, de pouvoir. Alléluia. De conséquences de la magie. Si on a pratiqué la magie, la sorcellerie, n'est-ce pas, dans ta famille, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu te délivre, n'est-ce pas, des conséquences, n'est-ce pas, que Dieu te délivre des conséquences, que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, brise les liens, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur, de ces puissances-là, les liens, n'est-ce pas, de l'occultisme, de la divination, de la magie, n'est-ce pas, de la sorcellerie, de l'occultisme, n'est-ce pas, bien-aimé, de la divination, que Dieu te délivre, alléluia, tu vois, Seigneur, notre Dieu, délivre-moi. Délivre-moi de toutes ces alliances. Délivre-moi, c'est notre Dieu. Délivre-moi de toutes ces malédictions générationnelles. Seigneur, délivre ma vie. Délivre ma famille. Délivre ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Proclamons trois fois, n'est-ce pas, bien-aimé, le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de. Commence à prier, n'est-ce pas, pour ta délivrance. La délivrance de ta famille, de ta destinée. Tendre Père, merci. Nous réclamons la délivrance éternelle, notre Dieu. Saint-Esprit, nous réclamons la délivrance. Délivre mon frère. Délivre ma soeur. Délivre-nous, Seigneur, notre Dieu. Délivre-nous, nos puissants. Nous proclamons la puissance de la délivrance. Délivre mon frère. Délivre ma soeur. Délivre-nous, tendre Père, de toutes ces puissances. De la puissance de la sorcellerie. De la puissance de la divination. De la puissance de l'occultisme. Délivre mon frère. Délivre ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci, merci pour ta victoire. Délivre-nous, éternel, notre Dieu. Délivre-nous, grand roi de l'univers. Nous te bénissons, nous te glorifions, tendre Père. Merci pour la délivrance, merci pour la libération. Merci, tendre Père. Délivre-nous, c'est notre Dieu. Délivre-nous de toutes ces puissances au nom de Jésus. Délivre-nous de la divination. Délivre-nous de toutes les malédictions attachées à l'astrologie, attachées à la divination, attachées à la sorcellerie, attachées à l'occultisme. Tendre Père, délivre-nous, les dieux de la délivrance, les dieux de la délivrance. Nous proclamons ta victoire, c'est notre Dieu. Délivre ton peuple, délivre tes enfants, les dieux de la délivrance, les dieux de la libération. Merci pour la délivrance, merci de nous libérer de toutes ces puissances occultes au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire, nous proclamons ton rayon et ton autorité. Les dieux de la délivrance, les dieux de la paix, les dieux de la grâce, les dieux de la faveur. Merci pour la puissance de la délivrance, merci pour la puissance de la libération au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci pour la libération, merci pour la délivrance, merci pour la délivrance. Délivre ton peuple, délivre tes enfants, Saint-Esprit, s'il te plaît, que le feu du Saint-Esprit souffle, alléluia, pour la délivrance au milieu de nous. Seigneur, délivre mon frère, délivre-nous, Seigneur notre Dieu, que les liens soient brisés, les conséquences des liens de la divination, de la sorcellerie, de l'occultisme qui ont été pratiqués dans nos familles. Délivre-nous des malédictions générationnelles, délivre-nous, Seigneur notre Dieu, des malédictions générationnelles, délivre-nous, Seigneur notre Dieu, des conséquences des pratiques occultes dans nos vies et dans nos familles. Délivre-nous, Seigneur notre Dieu, délivre-nous des malédictions générationnelle, délivre nos vies, au nom puissant de Jésus, délivre nos familles, tendre Père, Dieu de la délivrance, Dieu de la délivrance, Dieu de la libération, délivre-nous, c'est notre Dieu, les dieux de l'impossible, délivre tes enfants, délivre ton peuple, éternel notre Dieu, nous invoquons la puissance du Saint-Esprit, Saint-Esprit délivre, Saint-Esprit délivre, Saint-Esprit libère, libère-nous des conséquences de toutes ces pratiques occultes au nom puissant de Jésus. Libère-nous de toutes les conséquences de ces pratiques occultes au nom puissant de Jésus. Libère mon frère, libère ma soeur, libère-nous, que les liens soient brisés, les liens soient brisés, les liens de l'occultisme, les liens des fétiches, les liens de la sorcellerie, les liens de la divination, les liens de l'occultisme, les liens des enchantements, que les liens soient brisés, les liens de la magie soient brisés. Délivre-nous, Saint-Esprit, merci pour la délivrance. Saint-Esprit, merci pour la délivrance. Que ton feu consume, alléluia, les liens de la sorcellerie, les liens de la libération, les liens de la délivrance, les liens de la sorcellerie, les liens de la divination. Que ton feu consume tous ces liens maléfiques au nom puissant de Dieu. Que les liens maléfiques soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci. Salut, élever nos voix, bien-aimés. Nous allons, n'est-ce pas, prier pour Maman Fifi, Maman Albertine, n'est-ce pas, bien-aimés. Nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu s'élève, n'est-ce pas, que Dieu délivre la puissance de la guérison dans leur vie. Élevons nos voix, prions pour Maman Fifi, Maman Albertine, élevons nos voix, prions. Tendre Père, merci.
Merci, grand roi de l'univers. Nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus. Merci de délivrer, de libérer maman Fifi dans sa santé au nom puissant de Jésus. De libérer maman Albertine, les dieux de l'impossible. Nous proclamons la puissance de la guérison dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus. Guéris maman Fifi, guéris maman Albertine, les dieux de l'impossible. S'il te plaît, tendre Père, nos yeux sont fixés sur toi. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Alléluia. Remercions le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Nous allons prier, n'est-ce pas? Bénis notre journée, n'est-ce pas? Notre journée, bénissons notre journée. Alléluia. Détruisons tout malheur, toute malédiction souhaitée par l'ennemi sur notre journée, sur notre nuit. Élevons nos voix pour le tendre Père. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons que notre journée est bénie. Tendre Père, notre nuit est bénie. Nous brisons toute malédiction sur la journée. Les malheurs qui ont été souhaités par l'ennemi. Tendre Père, nous proclamons ton règne, ton autorité. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Nous déclarons que nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta bénédiction dans nos vies et dans nos familles. Au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé, brisons, n'est-ce pas, toute contre-attaque de l'ennemi, toute contre-attaque du serpent. Alléluia, les contre-attaques sont neutralisées. Tendre Père, et réfugie-toi sous la bannière du sang de Jésus. La bannière, n'est-ce pas, alléluia, de la croix de Golgotha. Tendre Père, merci. Nous nous levons contre toute contre-attaque de l'ennemi. La contre-attaque soit brisée après ce temps de prière. La contre-attaque du serpent, même dans le rêve. Toute contre-attaque soit brisée, soit neutralisée au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta victoire. Nous neutralisons même les attaques à travers le rêve, les attaques des serpents dans le rêve. Nous brisons toutes ces attaques au nom de Jésus. Nous proclamons ta victoire dans nos vies. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur et pour ta fidélité. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. 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 L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Que l'Éternel, notre Dieu, fasse lui sur vous sa face, qu'il nous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Soyez bénis, bien-aimés. Que le sang de Jésus vous recouvre et vous protège. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. 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 De tout cœur, merci, bien-aimés dans le Seigneur. Merci. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes des braves, hein? Vous êtes des champions, des championnes. En tout cas, merci, bien-aimés, pour votre engagement, n'est-ce pas, dans la prière et vos encouragements, n'est-ce pas? Passer des moments comme ça ensemble dans la prière, c'est extraordinaire, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour notre bien et pour le bien, n'est-ce pas, de nos familles et du corps de Christ. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Ça sera encore à minuit. Reposez-vous bien. Merci beaucoup, reposez-vous bien, bien-aimés. En tout cas, vous tous qui êtes là, je vois, il y a, soyez bénis, maman Alpha, maman Bita, que Dieu bénisse, maman Marika, soyez bénis, maman Maria, que Dieu bénisse, maman Madou, sois béni, alléluia, des États-Unis, maman Françoise de l'Italie, que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas, soyez bénis. Alléluia, maman Irène de la Belgique, que Dieu vous bénisse abondamment, soyez bénis, alléluia, maman Sandrine Bonny, ma collègue, hein, sois bénie, sois bénie, au nom de Jésus, que Dieu bénisse, n'est-ce pas, bénis dans le Seigneur, maman Victoriana, que Dieu vous bénisse abondamment, soyez bénis, alléluia, bien-aimé, n'est-ce pas, que Dieu vous bénisse, je vois encore, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse, maman Janine, maman Alpha, que Dieu bénisse, maman Blandine, que Dieu bénisse, alléluia, maman Marika, sois bénie abondamment, que Dieu bénisse, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, maman Colette de l'Irlande, que Dieu bénisse, maman Colette, sois bénie, alléluia, ça fait longtemps, hein, je t'ai vu, je sais que c'est compliqué parfois avec le travail en Europe, mais en tout cas, que Dieu bénisse abondamment, voilà, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, sinon, maman Irène, que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas? Soyez bénis abondamment. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, bien-aimé? Maman Irène, alléluia. Maman Rachel, que Dieu bénisse. Maman Rachel, que Dieu bénisse. Soyez bénis. Alléluia. N'est-ce pas? Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimé dans le Seigneur. Vous tous qui vous êtes connectés, n'est-ce pas? J'ai vu, n'est-ce pas, il y a des gens que je ne sais pas, adorateurs, mon frère Jean-Michel, que Dieu vous bénisse, alléluia, soyez bénis, sinon bien dans le Seigneur, il y a qui sont là, je ne sais pas, je vois, il y a ce que je vois, ce que je ne sais pas voir, mais en tout cas, du moins que Dieu vous bénisse abondamment, si je n'ai pas cité votre nom,
En tout cas, ne me maintenez pas rigueur, hein, ça arrive. En tout cas, à vous tous, à vous toutes. En tout cas, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci beaucoup. Soyez bénis. Reposez-vous bien. Que la grâce de Dieu vous couvre, vous protège. Au nom de Jésus. Amen.